Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Astroneer, donc toujours dans la mise à jour 0.5.1.0. Nous sommes à la recherche d'un petit peu de... Voilà, de composite. Merci de rentrer cordialement dans ma poche. La quantité là en plus. L'objectif étant de continuer à avancer vers les différents débris autour de nous. Plus voir ce qu'on peut faire en termes de recherche. Puisque là la recherche doit être éteinte. Mais comme elle reprendra automatiquement au matin grâce à l'énergie solaire, nous sommes plus ou moins bons. Alors on va prendre que ça pour l'instant, tant pis, hein, on va pas optimiser un petit peu de trop. On va essayer de rendre la chose un peu plus dynamique. Ce serait peut-être pas plus mal. Dynamique ta mère, ce qui ne veut rien dire, mic ta mère. Mais c'est pas grave. Voilà, merci de bien construire les rallonges que tu ne pourras pas construire. Oh, elles sont sur le... Ça fait drôle. Bref, du coup, par là. J'entends plus mes pas. Comment je peux compter mes pas? Bah voilà, je préfère ça. Par contre, ça marche plus. Voilà. On va reprendre de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Donc oui, je disais... j'ai reçu des bonnes nouvelles à côté, donc c'est assez cool. Des nouvelles séries qui vont arriver très très rapidement là. Oh non, déjà. Ça part vite. Il y a de la perte. Voilà. Donc, ah si, il est encore. Waouh, Dibania. Ah bah bah oui, Tiwawo. Enenyama. Agaba. Asiyumok. Ok. Alors. Pourquoi je suis aussi heureux? Tout simplement parce que là, je suis curieux de comptabiliser un petit peu la puissance solaire qu'il y a sur ce truc. Comment ça? Je peux brancher ici un véhicule, par exemple. Véhicule qui peut alimenter ensuite la base. Normalement, normalement. Je pense que c'est fonctionnel. Alors je croyais qu'ils avaient supprimé ces éléments là. Apparemment non. Donc là ça veut dire que l'objectif premier qu'on va avoir, c'est... ça. Puis... ça doit être là dedans. Au moins ça. Et ça. J'irais même plus... partir sur celui-là, mais pour l'instant déjà ça, ce serait déjà pas mal. Waouh ! Puisque de toute façon, si on a une grosse puissance solaire, on arrivera à augmenter considérablement la capacité à créer des octets. Vous voyez ce que je veux dire ? Vu que les octets sont sont dépendants de la qualité de l'énergie autant, enfin pas autant, mais en grande partie. Comme la mise à jour a changé un petit peu ces modifications là, elle n'est plus l'unique facteur qui crée une plus grosse quantité d'octets, mais elle en est quand même un facteur important. Voilà. Donc là par exemple on en a combien? 304, 1000 octets, 1000 octets. J'ai presque envie limite de partir directement dessus quoi. J'en ai envie. Oh. Je vais rapprocher celui-là. Allez, il va être temps de partir, mon ami. Vers de nouveaux horizons. Allez, crée-moi de l'octet. Crée-moi de l'octet, voilà. Qu'est des véhicules débloqués. Allez, on y va. On va le faire au plus rapide, hein, le véhicule. Hein. Alors, est-ce qu'on se dirigerait pas direction là-bas? Là-bas. 1. Désolé pour le caillou. Ah, j'ai plus de résine. J'ai plus de résine. Donc, on va commencer déjà. Alors, j'ai peut-être pas été le plus malin du monde en faisant ça. Pourquoi? Parce que j'aurais peut-être dû faire un... de quoi, enfin un extracteur de minerai, si je me trompe pas, pour multiplier un petit peu les différents composants que je trouve.
Non, on va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles dans cette journée. Je sais pas ce qui se passe, mais j'aurais peut-être dû tourner le premier épisode de World of Warcraft. En tout cas, je suis très très content parce que cette série, alors j'en parle dans à peu près toutes les vidéos que je fais, hein. Je sais bien, je suis désolé, ça va venir, la vidéo arrive, vous inquiétez pas, c'est juste que j'attends encore une fois le retour de mon meilleur ami sur la deuxième mouture, que je pense j'aurai donc vendredi soir, donc demain soir, et pour vous ce sera hier soir, mais oui, l'objectif étant d'avoir des avis, et je trouve donc j'ai la chance d'avoir des gros joueurs parmi vous, à qui je passe le lien de la vidéo en privé, et qui me disent que c'est bien, que même moi je regarderai même si je joue au jeu, etc. etc. Et parce que je ne lis pas les quêtes, parce que telle ou telle chose. Et je trouve ça génial d'avoir des retours de gros joueurs, vu que bah, c'est eux qui connaissent le mieux le jeu, et c'est à eux à qui je poserai les questions si jamais je ne sais pas trop. Parce que je ne suis pas un puits de science non plus vis-à-vis de l'univers de World of Warcraft, même si j'aime beaucoup ce jeu. Et surtout c'est parce que je l'ai quitté il y a longtemps que je ne suis pas aussi à jour que je devrais l'être. Je dois bien l'admettre. Alors, j'ai plus suffisamment de résine. Vous voyez pourquoi il faut absolument un extracteur de minerai. Ça va être nécessaire, quitte à créer une... Alors, où est-ce que j'en ai vu récemment? Quitte à créer... C'est pas là? Non, ça c'est du composite. Merde. Ah oui, non, c'était au niveau du... Du fil que j'avais fait. Oui, donc, bon, une série qui va être complètement différente de toutes les séries que j'ai pu faire jusque-là. Donc, il nécessite aussi beaucoup plus de travail, hein, mais j'espère honnêtement que ça va faire un petit peu le... Je le dis, hein, j'espère que ça va faire le buzz. J'espère que vous allez être là pour partager sur tous les réseaux sociaux, partager la chaîne, la série, tout ça. Plus encore que toutes les autres séries, vu que c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais essayer de faire marcher la série, enfin, de faire marcher la chaîne, hein. Clairement, c'est un jeu, je me rendais pas compte de la capacité de ce jeu vraiment à coller à ce que j'aime dans ce que j'aimerais faire de ma chaîne et ce que j'aime faire sur YouTube. Oui, t'inquiète pas, j'ai un fil juste à côté. Voilà. Donc oui, je me rendais vraiment pas compte à quel point ça peut coller à ce que je veux faire sur la chaîne. Et du coup, je voudrais vraiment que cette série fonctionne, que ça puisse m'aider sur YouTube. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour m'aider dans ce domaine-là. Même des gens qui ne jouent pas trop au jeu, qui ne connaissent pas trop le jeu, me disent qu'ils aimeraient regarder plus de la série, vu que ça leur apprendra à connaître le jeu. Donc voilà. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis, vos retours, et qu'on puisse faire cette aventure ensemble. Surtout si en plus je rajoute du parrainage, etc. On verra, vous allez voir, ce sera vraiment épique. Hop, c'est parti. J'ai qu'un d'aluminium, je crois que j'en avais un deux. Ah bah voilà. Quai des véhicules, c'est fait. C'est pas nécessaire pour l'instant, mais c'est fait. Le cuivre. Merci. Voilà. Ici on en a combien? 265, ça n'avance pas, on est à 25 eau par seconde. Alors, si je rajoute un deuxième panneau solaire. On est à 50, donc c'est peut-être nécessaire que je fasse ça comme ça. On va aller plus vite comme ça, au moins, c'est pas grave. Je vais garder mon... Pardon. Hop, ici. C'est pas plus mal. Est-ce que j'ai encore un petit peu de... Non, j'en ai plus. Je pourrais en récupérer, oui. Est-ce que j'en récupère? Oui. C'en est pas. C'en est. Hop. Ok. Alors j'imagine qu'il y aura sans doute un moment où on pourra recréer un petit peu toutes ces plantes à la demande pour farmer un petit peu l'organique. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Ça pourrait être vraiment pratique. Ok, donc là on est bon. L'objectif maintenant, c'est de construire peut-être cet extract. Non, c'est pas l'imprimante. Ça, c'est un booster, donc c'est pas bon. On n'est pas au bon endroit. Stockage, donc non. Ah, je suis pas au bon endroit. Lampe de travail, ça pourrait être intéressant aussi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les coms. Ça, c'est quoi?
Pile. Non, pas ce qui m'intéresse. C'est ça, l'extracteur de minerai à 500. Alors pour une raison que j'ignore, tu es... Ah d'accord, c'est parce que t'es en train de charger le... Oh ah non, j'ai fini ma recherche. Cool. Autant pour moi. Alors celui-là, il est comment? Merde, non. Pour voir s'ils sont tous... Ils sont tous pareils. Ok. Non, mais c'est pas... Hop. Voilà, c'est parti. Ok, on est bon. Donc la recherche est en cours. Ici, je ne peux rien faire parce que tout simplement, je n'ai pas les plans. Hein, c'est très logique. L'objectif maintenant, c'est de faire l'extracteur de minerai et de trouver surtout un maximum de résine. On va partir là où on a, non, là on a fait du chemin. Et on va laisser un maximum de choses ici. Et donc du coup, en fait, le temps qu'on va partir, je vais avoir le temps de remettre un... Un nouveau truc, vous allez comprendre ce que je vais dire, ce que je veux faire. On a deux de résine ici, j'aimerais en garder au moins un, donc je vais la laisser ici. Et ici, bah, je vais l'utiliser celle-là. Je vais partir à l'opposé pour essayer de construire plus tard un extracteur de minerai. Voilà, alors je pensais que ce serait un peu plus rapide au niveau de la consommation, je vais pas vous mentir. Mais bon, on s'en sort bien, cette série... va peut-être plus vite que la précédente, enfin que le méga épisode. Je ne sais pas encore trop, mais c'est mon avis personnel. Allez, on y va. C'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le monde est chaud. Tout le monde est chaud. C'est tout le monde est chaud, je sais plus. Ça fait longtemps. Composite, pas intéressant pour le moment. Résine. Résine. Proube. Merde, je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Ok. C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais pas mal. Alors, heureusement, j'ai cru voir du composite d'un côté. J'ai l'impression qu'il sprint moins vite qu'avant. Je sais pas si c'est une impression. Ouais, du composite ici, donc je vais pouvoir... faire des rallonges. Parfait, pas besoin de plus pour l'instant. Ah merde, il en a que récupéré un de plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On progresse. L'objectif, trouver de la résine. Et on en trouve pas du tout. Là, il y en a. Parfait. Parfait, parfait. En plus, il y en a en quantité en plus. Ça, c'est pas du coup de bol. Il y en aurait bien deux en fait en un seul. On a de la chance. C'est juste à côté. Regardez, il y a du composite. Vraiment juste à côté. Ou alors, c'est un autre point de spawn peut-être aussi, tout simplement. J'en ai jamais trop rencontré des multiples points de spawn, mais. Enfin, je veux dire des endroits où il y a. Enfin. Vous me comprenez, des endroits où justement, des planètes où il y a deux points de spawn sur la même. Cela dit, il est assez épars celui-là. Ah, je suis plein. Ok, bon bah retour à la maison. C'est joli les nuages comme ça, dis donc. C'est très 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 joli. Bon, nouvelle fonctionnalité, est-ce que ça t'enlève quand je fais ça? Voilà, merci. Donc on a passé un épisode avec un tutoriel qui est affiché en haut. Autant pour moi, désolé. Oui, il y a plein de choses qui sont passées qui sont extrêmement positives en ce moment. Au niveau de la chaîne, par exemple, j'ai avoir des codes potentiellement à donner. Il faut que je me renseigne sur véritablement ce que je peux faire. Si je peux avoir par exemple un code de premium à donner tous les dimanches sur Robocraft, ça peut être cool. Ça fait juste 4 codes par mois, c'est peut-être pas trop demandé. Ça peut être très très cool. Là j'ai obtenu donc une promotion sur une prochaine série qui arrive. Donc j'ai obtenu à moins 23%, ce qui est déjà pas mal. Un code promo à mon nom. Enfin pour moi. Je sais pas si là j'ai pas vérifié le code en fait ce que c'était. Ah bah il y avait de la résine juste à côté. Ouais non, c'est juste pour avoir des balls.
j'imagine que c'est un code promo qui est constant, bon enfin bon, c'est pas grave. Ok. Je te laisse là 2 secondes, bonhomme. 1, donc encore 2 et 3 pour le coup. 2. Et 3. Désolé le caillou, voilà. C'était gros comme un camion, ça que ça finirait mal. On est encore loin l'extracteur de minerai. Si, il est à 500. Cool. Il faut du composite, je l'ai. Et construction. Bon alors ça, c'est plutôt bien. On a une bonne nouvelle là en faisant ça. Encore une, vous me direz. Ce qui est plutôt bon d'avoir que des bonnes nouvelles. En tout cas, c'est très très bien. On a juste un manque d'énergie à cet endroit là. Il va falloir que j'arrive à gérer ça. Alors question, normalement ça fonctionne. Pourquoi tu ne... Est-ce que t'es pas censé me le charger normalement ce truc là? Si, t'es censé me le charger. Bruh, excusez-moi, le journal qui m'appelle. Là autre chose. C'est pas par rapport à la chaîne, ça par contre malheureusement. Pourtant je profiterais bien de leur pub si je pouvais. Bref. Hop. Alors non, ce que je vais faire c'est que je vais le garder sur moi celui-là. Je vais effectivement en laisser un ici. Mais je vais prendre ça. Non. Non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Non, c'est pas du tout sur ça que je clique. Vivement le changement de... Vivement le changement de... Ah, d'accord, il valorise le... Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après tout. La recherche. Ok, bon, oui, parce qu'il y aura un changement conséquent des bases bientôt. J'espère très bientôt. Vu que c'était extrêmement intéressant à voir et extrêmement modulable, ça m'intéressait énormément. Par contre, on est un poil ralenti en termes de construction de base et de recherche. Et ça, ça m'embête un peu plus. Ok. Oh bah non, non, pas au moment où je viens de reprendre. Devoir faire face à la tempête, tant pis. Hein. Tant pis, je vais faire face à la tempête. Hein. Moi, j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur. Tu veux te la mettre, la tempête? Tu veux te la mettre? Je me dis qu'elle va me la mettre violemment hein, aussi. Hein. Mais bon, ça, c'est mon avis. Je vais me prendre un malheureux caillou. Ah, j'aurais peut-être dû récupérer là. Allez là. Appelez. Non? Non? Bah. Excuse-moi, hein, j'ai fait une bêtise. Je vous demande de me pardonner. Merci. Un outil de recherche supplémentaire. Hop. Sur lequel on va équiper. J'ai plus de composite du tout. Eh, vous voyez, j'ai pas eu peur. Ah bah, c'est barré. Ha ha! Elle a eu peur du Marcus. Moi, je vous le dis. Ça peut être que ça. Composite. 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 Alors, dites-moi au niveau luminosité s'il faut absolument que je construise ou non la... Là, comment la lampe de travail? Je pense que oui, mais bon. Oh, c'est coloré! Oh, c'est adorable! Je viens de me rendre compte, hein. Je sais pas si c'était comme ça depuis le début, mais. Je vais être juste pour rentrer. Je viens d'y penser. Hop, je rentre. Oh, je vais être juste. Oh, je vais être juste. Et réduit ta consommation en oxygène. J'ai un point ici. Voilà, on est bon. Nous disions donc, générateur petit. Double générateur, par contre, j'avais pas besoin de ça non plus.
On est bon. Et donc ici j'ai cru voir. Voilà, alors je crois que le vert je suis pas censé pouvoir le récupérer. Par contre le violet, les espèces de petites plantes violettes là. Ah non. Ça si. Celle-là oui. Ça, alors. Ok, cool. On est bon. Alors maintenant j'aimerais revoir entièrement la façon dont je distribue mon électricité. Comme ça, ça peut être parfait. Ok, là tout est parti. Et ici, je lance. Normalement, t'es censé pouvoir en donner aussi, hein. Oh là, olé, oh là, eh. Voilà, je préfère ça. Ok, donc il y a une petite musique pour dire que j'ai fini l'autre truc. Et je croyais que j'en avais une autre de recherche. Oh, je suis pas mauvais à ce point. Je suis quand même pas mauvais à ce point. On va chercher dans les arbres. Rapidement. Il y en a un là-bas. Cool. On est bon. Il y en a un autre là-bas. On va pouvoir continuer à chercher un petit peu en hauteur tout ce qui est objet de recherche. C'est peut-être pas les plus efficaces. Mais en tout cas, c'est ceux que j'ai le moins de mal à récupérer. Ok, par contre, si t'as que 50 secondes, 50% déjà d'oxygène, on va pas aller loin. Mais heureusement, je vais pouvoir en récupérer ici. Hop, il y a de la résine ici, ça pourrait être intéressant. Cet arbre qui tombe. Enfin, arbre, tout est relatif. Un mec qui se supprime en fait, pour être honnête, tout à fait honnête avec vous. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on progresse. Plus de recherche à la seconde. C'est une avancée certaine. Ouh. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, au début, il est efficace. Hein. Et donc là, ça fait qu'on est à 324 octets par minute. C'est épique. On est bon. On est très très bon. On continue à aller chercher un petit peu plus de commandes. Est-ce que j'ai de la... Oui, j'en ai. On y va. C'est parti. Un peu plus d'objets de recherche. On a pu voir que le dernier était assez court. Je l'ai vu à gauche, hein. Je les ai vus même. Ça m'en fait 4 au total ici, là. Si ce n'est plus, non, 4. Alors, récupérons celui-ci, s'il le veut bien. Ah, ils sont assez difficiles à récupérer, vous voyez qu'ils sont assez... Faut trouver vraiment l'endroit, hein, si je puis me permettre. Hein. Bon, et s'il tombe pas, le meilleur moyen, c'est encore... de le faire tomber vous-même, comme un grand. Quand vous avez de la chance, pas comme moi. Voilà. Wow. Me fais pas ça. Voilà, ça fait un. On va aller récupérer, voilà, un petit peu d'oxygène pour ensuite récupérer le gros rose qu'on a vu juste ici. Là. Hop. C'est marrant, regardez, il fait très... Enfin, j'ai un sentiment de nuit. Ouais, c'est ça. Regardez, il fait nuit, mais j'ai encore beaucoup de lumière. C'est rigolo. C'est la première fois que ça me fait ça et c'est très joli, hein. Donc, mise à jour de la lumière, encore une fois, en cause pour ça. Enfin, en cause. C'est grâce à ce genre d'image qu'on a encore ça. Donc c'est assez sympa, c'est assez réaliste en plus hein, quand on y pense. Vu que bien souvent on voit le soleil de nuit, enfin le ciel de nuit, avec encore beaucoup de lumière. Pas beaucoup. Tout est relatif, mais vous m'avez compris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entièrement supprimé une... Non, c'est surtout parce que je sprintais que ça l'a ramené directement dans mon inventaire. Enfin bon. En tout cas...
je trouve qu'on s'en sort bien sur cette mise à jour, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. On est un petit peu plus efficace en termes d'énergie. Alors, ah oui, c'est les deux que j'avais laissés là. Ils étaient en dehors du chemin. J'avais oublié qu'ils étaient à ce point en dehors. Très bien. Très bien, très bien. Hop, parfait, on en a deux. En voilà deux autres. Alors, est-ce que le jeu... Parce que je me posais la question il n'y a pas longtemps. Est-ce que le jeu a besoin de danger? C'est-à-dire que là, prochainement, on risque de voir arriver une plus de flore, pardon, justement, j'ai envie de dire faune. Parce que pour moi, une flore dangereuse, c'est assez compliqué mais à intégrer. Mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir plus de danger? Oula, je vais pas aller vite avec ça, moi. Plus de danger via la flore, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une nécessité? C'est vraiment la question que je me pose, en fait. Savoir si... est-ce qu'il y a vraiment besoin de danger dans ce jeu qui s'en sort très bien sans jusque-là, ou sans presque. Bon, c'est vrai qu'après, le coup du « je te pète dessus, c'est autoguidé et tu meurs », c'est un peu craqué. Je serais plus partant pour un système de plantes qui te boufferait quand tu serais à côté. Mais le problème, c'est qu'elle serait visible de très très loin, et donc du coup, le danger serait pas présent. Donc c'est vrai que j'ai eu beau chercher en fait des types de dangers possibles et imaginables, et bah j'ai pas trouvé, faut le dire, hein. J'ai pas du tout trouvé. Après tout, ce n'est pas du tout quelque chose à laquelle, je sais pas, j'ai pas envie de dire que j'aimerais penser, mais c'est pas quelque chose à laquelle je suis confronté, c'est pas une chose à laquelle je suis confronté suffisamment souvent pour en ressentir le besoin, si je puis dire, d'avoir une forme d'ennemi dans le jeu. Même de nuit, je veux pas trop que ça s'arrête. Ça me semble nécessaire de continuer. Qu'est-ce qui m'en empêche? Ok. Ah, c'est chiant. Le binding, c'est prévu que pour la fin. C'est véritablement un problème. on est à 1000. On avait dit qu'est-ce qu'il nous faudrait de nous. Ce serait ensuite ceci. Qui est à 2400. Le treuil est à 4000. C'est absolument incroyable. Mais bon, avec ça, on peut potentiellement continuer notre recherche. Pendant un petit bout de temps. Peut-être continuer à récupérer de l'organique pour nous assurer que ça fonctionne. Alors c'est pas la chose la plus incroyable, mais en tout cas si on arrive vraiment à ramener ce treuil et à l'utiliser pour la recherche, je pense que on sera tranquille en termes énergétiques pour un bout de temps. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas soit à trouver les véhicules, soit à trouver effectivement le débris en question. Parce que oui, il faut le qualifier de débris, hein, c'est un débris. Ok, parfait, je suis full en organique. C'est bien la première fois que ça m'arrive. T'inquiète pas, je rentre à la maison. Alors aussi une autre raison pour laquelle j'ai recommencé une partie, c'est que j'avais tellement exploré que à chaque fois que je posais une rallonge, mon jeu laguait pendant une seconde. Vous vous rendez compte? J'avais tellement exploré la première planète que mon jeu n'en pouvait plus, littéralement. Il n'y a pas d'autre terme, pas d'autre manière de l'expliquer. Mon jeu était malade, il ne pouvait plus supporter. Je suis là. Je suis là. Alors aussi au passage, j'en profite pour... Donc imaginez à quel point j'avais défoncé le jeu pour que ce soit le cas.
C'était vraiment absolument épique. On a combien? 1006. C'est bien, ça augmente très très bien là. Vivement l'arrivée du solaire en plus qui va donner un petit coup de boost supplémentaire. En tout cas, ça se passe assez bien. Je suis agréablement surpris. Honnêtement. Alors je sais pas si c'est justement l'ajout, comme on le disait, donc de cette espèce de timeline avec plus ou moins d'efficacité sur chacun des objets. Alors est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Ça, en tout cas, ça a bien, ça a l'air d'avoir bien amélioré. Oh la vache, j'en ai fait deux là. Bien amélioré le système, vu que j'ai l'impression en tout cas que c'est efficace. C'est, je pensais pas, vous voyez, quand j'étais déçu, je le dis tout de suite, hein. J'étais déçu en voyant la mise à jour, je pensais attendre un truc un peu plus conséquent. Ils nous avaient promis une mise à jour majeure par mois. Bon, clairement, c'est pas un truc majeur. Hein. Enfin, une mise à jour tous les mois. Ça m'a pas semblé être une mise à jour extrêmement importante. Et finalement, bah, on le ressent bien. On le ressent vraiment bien. Et bah, c'est donc une mise à jour efficace. Malheureusement, je suis obligé de le dire. Hein. Même si elle est pas extrêmement complète. Alors, toi, tu ressembles à quoi? D'accord. 450 octets, on va pas aller loin avec ça. Hein. Cela dit. Allez! Ça va vite, hein. On en finit très très vite. Hein. Alors, toi, monsieur grosse couille. 500, et c'est pratiquement toujours en top niveau. Ça, c'est cool. Ce qui fait que là, on est à 300 par minute. Si ça, c'est pas épique. Wait. Ok, t'en envoies plus. Pas de soucis. 338 maintenant. Génial. Absolument génial. Absolument génial. Bon, par contre, je pense pas qu'on puisse se reposer sur nos lauriers en ne gardant que ceux-là. Donc, on va repartir à la recherche de plus. On essaie de choisir une destination. C'est pas si simple. Ou alors, on part en profondeur, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que ce deuxième épisode est bien rempli maintenant. Je ne sais pas du tout la durée qu'il fait vu que j'ai fait une pause en plein milieu. Mais je vais vous laisser là. Je vais continuer un petit peu la recherche en attendant. Je vais sauvegarder aussi, ce sera peut-être pas plus mal. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens, et yo! Partagez, likez et abonnez-vous si c'est pas fait.